Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Sima via Twitch et sur YouTube. Nous allons, eh bien, faire le retour du vol de ce matin en ramenant un Airbus A310 à Paris-Roissy-Charles de Gaulle. On va remonter un petit peu le temps puisque cet avion ne vole plus pour le compte de l'escadron STRL. On aura l'occasion d'y revenir également. Et en tout cas, on va voler avec cet Airbus A310 F RADA. Pour Roissy depuis Montpellier, on devra avoir des positions contrôlées au départ et à l'arrivée, et donc sur ce, bienvenue à bord. L'avion est sur GPU. On va aligner centrale. Et on va essayer de finir cette semaine en beauté, assez riche en vol, je l'avoue. Ce qui n'est pas pour bouder notre plaisir, évidemment. Alors du coup, alors... à contre, je suis encore un peu perdu sur les vues. Donc on va essayer... Pilots boarding starting. Ouais, et alors il y a pas. On va le faire comme ça. Et donc Align IRS. Donc on va faire déjà menu Cars Request Simrif Penning Company Put Uplink is down. Et Align IRS qui, donc je vous le rappelle, est en mode instant pour gagner un petit peu de temps. Et niveau 360, cost index 59, accuracy upgraded. Et puis on va voir si on peut pas tout de suite copier. Pour être sûr de certaines choses. Alors, LFMT tour. Il y a du monde hein, ce soir, c'est cool. Et on va regarder si on n'a pas l'information. LFMT Echo. On va quand même regarder s'il n'y a pas une autre information en cours. Information Delta. Kenage 10-20. Arrivée, départ, piste 30. Transition level 060. Transition altitude 5000. Cotam 1000, bonjour monsieur, avec l'information Delta à bord, hein, 310 prête à copier pour Roissy Charles de Gaulle. Cotam 1000, Montpellier Tour, bonsoir monsieur, autorisation pour départ IFR à destination de Paris, Charles de Gaulle, transpondé 1713, prévoyez montée initiale 080 par sortie Main 6 Romeo. Autorisé pour Roissy comme spécifié, code transpondeur 1713, niveau initial 080 et un départ Mande 6 Romeo. Relecture correcte, Cotam 1000, rappelé pour repoussage et mise en route. On rappelle repoussage et mise en route, Cotam 1000. Eh bien ça c'est bon. Donc le call sign est passé, j'avais un petit doute. On va mettre ça on.
Alors, donc external power, c'est toujours connected. Heureusement. Alors, flight plan ASID runway 0 right. Passengers boarding starting. Et donc monde 6 Romeo. Là voilà, insert. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est eh bien le pré-flight. Alors du coup, take-off. All conditions. Encore le vol de ce matin. Donc LFMTF, PL, CDG, quota 1000. On aura, devrait avoir au moins le départ contrôlé, ça c'est super. Donc 33 et 36 Romeo. Du coup. Taxi. Montpellier Tour, bonsoir du littoral 98. Littoral 98, Montpellier Tour, bonsoir. 2600, surface dry, runway heading, oui, c'est bonsoir, monsieur. 303. Bravo 2, avec information Delta, QNH 1020, la mise en route destination Toulouse. Ça c'est bon, et le wait. Littoral 98, mise en route approuvée à destination de Toulouse. Transpondez 5657, prévoyez montée initiale 8080 par Brusque 6 Lima. Brusque 6 Lima, niveau 80, transpondeur 5657, littoral 98. Relecture correct, littoral 98, rappelé pour repoussage et mise en route. On rappelle pour le repoussage et la mise en route, littoral 98. Ok, ça c'est bon. Donc CG28-3, on a grosse weight, c'est 94. Ouais, 94 points. Oui, littoral 98, vous me confirmez un brusque 6 Lima avec la 30 droite au départ. Donc 93. Je vous avoue que j'ai pas le brusque 6 Lima sur la 30 droite, littoral 098. 15-0 anti-ice, off air conditioning is on. Plus, donc c'est pour ça que je vous pose la question. C'est bien la 30 droite au départ. Je confirme, 30 droite au départ, littoral 098. Temp 59, 130, 132, 146. Qu'est-ce que vous donnez comme départ alors? Brusque 6 Romeo, c'est bon pour vous, bah, littoral 098. Oui, affirme brusque 6 Romeo. C'est parfait, merci. On a 0 filouette, c'est 80.1, 14.6. Un petit tour de Fox Juliette Hotel, bonsoir. Fox Juliette Hotel, bonsoir, Montpellier Tour. Et donc le. Gross weight c'est 28.3. Donc ça c'est bon. Fox Juliette Hotel, je vous rappelle de suite. Pour les valeurs take-off, on est à 130, 132, 146. Alors 130, 132. Littoral 98, nous sommes parés au repoussage et à la mise en route. Et 146. Niveau 80.
Littoral 098, repoussage approuvé face au sud-ouest. Alors, le pré roulage complète, ça m'a l'air bien. Donc, le roulage devrait être normalement par Tango. Et le point d'attente, Tango de la 30 droite. Okay. À confirmer évidemment avec le trafic. FD, c'était c'est on profile et nav, on va les armer et on va mettre la PU. Fox Juliette Hotel, est-ce que vous êtes prêt à copier? Juliette Hotel, prêt à copier. Donc ça c'est bon. Juliette Hotel, prévoyez donc un départ sur la 30 gauche QNH 1020, transpondez 6 unités 6-5, prévoyez montée initiale par Maine, niveau 080. Alors, before start checklist, cockpit preparation complete, sign is on, fuel quantities is 14.6, navigation check, landing elevation not yet, altimeter is set, break and see skid Norman. Et du coup, les doors. Négatif, Fox Juliette Hotel, transpondez 6165, montée initiale 080. Window doors is closed, donc. Relecture correcte, Fox Juliette Hotel, rappelé pour roulage. Antis, alors, windows are closed, beacon is on, parking brakes is on, checklist completed. Eh bien, on va demander le repoussage. Kota 1000, rebonsoir, prête au repoussage à la mise en route. Kota 1000, repoussage et mise en route approuvée face au sud-ouest, rappelé prêt au roulage. Repoussage et mise en route approuvée face au sud-ouest, Kota 1000. November, Mike Lima, Christine Taxi. Ça c'est bon. November, Mike Lima, Taxi, approuve to Victor Waypoint of Three Zero Bright by Echo for Lima 3 Tango 3. November, Mike Lima, again. Ça c'est bon. Cap you running. GPU disconnected. November, Mike Lima, can you repeat this? G6. Taxi holding point, Victor, runway 30. This parking is too small for your aircraft. November, Mike Lima. Correct, November, Mike Lima. Recall when ready for takeoff. When ready for landing, November, Mike Lima. Avec ces magnifiques lignes du 310 et le 320, on livrait Airbus juste derrière. Fox Juliette Hotel, roulez point d'attente Lima unité de la 30 gauche par Romeo 2 et Sierra. Romeo 2 et Sierra, Lima unité de la 30 gauche. Relecture correcte, Fox Juliette Hotel, rappelé pour pénétrer. Et voilà, petit visuel à l'extérieur avec les configurations caméra.
Et je sais plus si on est à jour sur les checklists. Alors déjà, nose to the right. Donc on est l'année suivante, c'est after start. Et flex to temp, c'était 59. C'est pas fait en Corse. Dernière chose, c'est le code transpondeur. Alors, code transpondeur, c'est 17 13. Et bien voilà. Et donc, parking brakes is released. Et bien, on va commencer avec le numéro 2. Starting number 2. November Maglima, we are ready. November Maxima, you can align runway 30 right, call ready for takeoff. We are ready, November Maglima. Parking Grex is set, ça bascule. November Maxima, you can take off runway 30 right, wind 150 degrees, 05 knots. Quel faut take off runway 30 right? Start number 1. La tour du littoral 98, nous sommes prêts au roulage. Littoral 98, roulé point d'attente Tango de la 30 droite par Mike et Tango. On roule Mike Tango pour le point d'arrêt 30 droite, littoral 98. Démarrage du 1. Donc la 15-0, config totalement typique sur 3-10. Juliette Hôtel, vous pouvez vous aligner, piste 30 gauche, rappelé aligné près. Et alors radar météo sur on. Ignition off. November 94 Maxima, switch to Montpellier, approche 131 decimal 055, have a good flight. 131 055. Bon, un peu dans le tracteur, mais bon, tant pis. Je suis parti du Folklore G6 en ce moment, c'est un petit peu compliqué parfois. Donc les moteurs sont bien démarrés. Golf Charlie Juliette Hotel, autorisé décollage, piste 30 gauche, vent 150 degrés. C'est off, Appubit, c'est off. Et on va faire le Fly Controls. Alors. Fly controls full left, full right, neutral, full up, full down, neutral, rudder, full left, full right, neutral, et le trim c'était 0-3. Ryanair 26, good evening, request IFR clearance to Lima Foxtrot, Mike Lember. Ok,
Donc ça c'est bon, la checklist after start pitch trim is set, radar trim 0 Ryan 296 Montpellier Tower, good evening sir, clear for flight to Lima Fox, Mike November, squawk 6530, initial time 080 by Mike Alpha Romeo, Romeo India. Ryan 26, clock 6530, initial climb, flight level 080, direct to Mara. Ryan 296, squawk 6532. Squawk 6532, Ryan 26. Et Kota 1000, moteur démarré, prêt au roulage? Ryanair 296, correct, recall when ready for pushback and stop. Cote à 1000, roulage approuvé jusqu'au point d'attente 30 droite par Mike et Tango. On roule point d'attente 30 droite via Mike et Tango, cote à 1000. Fox Juliette Hotel, passé sur Montpellier, approche 131 décimal 0,55. Bon vol à vous. Sur Montpellier, ah, encore un petit peu de mal avec les vues. Donc, alors. Littoral 98, si vous êtes prêt au départ, vous pouvez vous aligner piste 30 droite devant 150 degrés 5 nœuds autorisé au décollage. Droite et on décolle 30 droite littoral 98. Via Mike, donc à droite et à gauche, ok. Parking brakes released. Et c'est parti pour le roulage. Cette chevauchée qui, je l'espère, sera fantastique à destination de Roissy. Allez, avec cette lumière rasante et ce vol de fin de semaine pour se faire plaisir, pour conclure cette semaine bien chargée en vol. Et le décollage, piste 30 droite qui a lieu avec le 320 qui est juste à notre gauche dans le coin là. Et la rotation. Personne à gauche et personne à droite. Littoral 098 pour monter, passer sur Montpellier, approche 131, décimal 0,55. Bon vol à vous. Et le battement des ailes. 131, 0,55. Absolument magique sur cet appareil. Bien que l'envergure ne soit pas très très grande sur ce type d'avion, contrairement à son concurrent, le 767 notamment. En tout cas, on remonte Tango. Il fait beau, le coucher de soleil. Et puis un avion de légende, un avion magnifique, le 310.
avec du contrôle. La journée se finit résolument, vraiment très bien. Mettre le ticasse. Ah, j'ai vraiment encore un peu de mal avec les vues, pardonnez-moi. Le sol un peu chaotique ici à Montpellier. Je sais pas si c'est la Seine, en tout cas. Et puis on aura l'occasion d'en parler de cet escadron Lesterel, bien entendu, et de l'I310 une fois de plus. Fervent amateur que je suis de la bête. Et l'ombre du 310 avec on peut apercevoir l'ombre du winglets qui se trouve ici. Before takeoff checklist, flight control is checked, briefing confirms last flap 15-0, performance FMS check, takeoff config. C'est normal là. Transpondeur 7, cabine secure, TICAS, TARA, PAX on. Alors par contre, donc ignition to continuous. Et on quitte les étangs pour le béton parisien dans un instant. Côte à 1000, rebonsoir depuis Tango 1 de la 30 droite, prêt au décollage. Côte à 1000, si vous êtes prêt au décollage, alignez-vous piste 30 droite, autorisé décollage piste 30 droite, vent 150 degrés 5 nœuds. Autorisé alignement et décollage piste 30 droite, côte à 1000. Landings on Montpellier Tower, our AIR 296 ready for pushback. AIR 296 pushback approve facing south west. Et voilà, que demander plus. Pushback facing the southwest. Le bonheur à l'état pur, 3-10. Correct, Ryanair 216, recall when ready for taxi. Et c'est parti pour Roissy, décollage 20, 139, pardon. La checklist était complète. Ok, ça c'est bon. Et donc oui, les actions sont faites en éclairé, la checklist est complète, c'est parti. Poussée symétrique. Trust SRS heading. Profil climb and nav armed checked.
La poussée est disponible. 100 nœuds. V1, rotation. Positive rate of climb. You're up. Autopilot 1, engage. Profil thrust, profil climb, nav, checked. Slat retract. Et les Cévennes droit devant nous. Tam 1000 pour monter, passer avec Montpellier approche 131 décimal 055. Bon voilà vous, bonne soirée, au revoir. On passe sur Cotam, on passe sur l'approche, pardon. Pour plus, merci beaucoup pour le contrôle, à très bientôt, bonne soirée. Runner 4-6 Echo, so we're going to say descend 5,000 feet and expect ELS Zulu, expect rotor vectoring for ELS Zulu, runway 3 0 right. Descend 5,000 feet and expect ELS 3 0 right, Runner 4-6 Echo. Et Cota 1000, bonsoir monsieur, en montée vers le niveau 080, Mande 6 Romeo. Et Cota 1000, identifié, montée niveau 140, direct Mande. Monte niveau 140, direct Mande, Cota 1000. Runner 4-6 Echo, third left heading 250. Left 250, Runner 4-6 Echo. Directement, on va back to airborne to Béziers. November 9, for me, back Lima, can you repeat please? Airborne to Béziers, to requesting ALS approach, altimètre standard at Montpellier. Learning's off. And November 9, for Montpellier Clima, direct Alastair, climb, climb 3000 feet. Direct Alastair, climbing 3000 feet, United Airborne Clima. Continuous relight, ignition off. Twitter 925 passing Avignon, inbound November Golf. Et Twitter 925. Turn left heading 200. Left heading 200. Avec la lune derrière, quelles images, quelles images. Echo descent 2000 feet, QNH 1020. Descent 2000 feet, QNH 1020, Runner 4-6 Echo.
Ah, on va pas y arriver. Ryanair 46 Echo, turn right, heading 287. Right, 287 Ryanair 46 Echo. Gotham 1000, stable niveau 140. Et Cotami, excusez-moi, veillez Unicom 128, bon vol. Et on passe Unicom 128, merci beaucoup pour le contrôle, bonne soirée. Climb flight level 3, 6-0, ça c'est bon. Alors peut-être que je me suis trop habitué à la beauté du graphisme de FS 2020, en tout cas on vit un vol assez formidable quand même en termes d'ambiance et en termes de machines. Avec du contrôle de voler comme ça au soleil couchant avec cet avion, avec du contrôle, ça reste toujours un moment magique. Et en montée donc vers le nord pour atteindre Roissy Charles de Gaulle avec cet Airbus A310. Je ne sais pas si je ferai encore l'apologie de cet avion encore une fois sur ce vol. Je le ferai peut-être plus tard. En tout cas, on pourra au moins parler de cet escadron STRL. Qui est basé à Roissy Charles de Gaulle. Dont la création remonte à 1968. Avec des avions basés sur la base aérienne de Creil et l'autre sur l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle. Et donc cet escadron aura exploité au cours de sa carrière des McDonnell Douglas DC-8, 55 et 72, ainsi que des Caravelle, et ensuite l'Airbus A310-300 sur lequel on vole, l'Airbus A340-200 et de l'A330-200.
Et dans un premier temps, eh bien, l'escadron STRL était principalement chargé du transport des personnes, que ce soit des citoyens ou des ressortissants français et d'autres ressortissants de nationalités différentes. Et aussi transport stratégique ainsi qu'au déploiement de nos forces armées à travers le globe. Et puis aussi, la 310 en l'occurrence a eu une brillante carrière avant l'arrivée de la 319 à CJ et avant l'arrivée de la 310, de la 330 pardon, présidentielle, inaugurée sous Sarkozy. Et bien, la 310-300 a une belle carrière aussi de transport pour les déplacements officiels. D'ailleurs, président Chirac en était un des grands utilisateurs de cet A310-300 qui avait des capacités, qui a des capacités comme les A310-300 de ligne ETOPS et donc des capacités de franchissement assez importantes pour un avion de sa catégorie. Et au tournant des années 2020, eh bien, les capacités de transport stratégique et de ravitaillement en vol du groupe de ravitaillement Bretagne seront fusionnées au sein d'un escadron unique stationné sur la base aérienne de Istres et doté de l'Airbus A330 Phoenix. La France a fait le choix de s'équiper d'Airbus A330 Phoenix dans des rôles donc MRTT pour multi-role tanker. En remplacement des Airbus A310 et A340 qui étaient précédemment en flotte. Et on peut en parler de cet Airbus A340. Alors on parlait de transport aussi de ressortissants et de transport stratégique. On peut aussi parler du fait que cet escadron est aussi en première ligne pour les évacuations, notamment sanitaires. Et donc un des Airbus A340 de l'escadron STRL a servi notamment à la première mission d'évacuation de Français à Wuhan en Chine au début de l'épidémie du Covid 2000, enfin du Covid-19. Et la 310 sur lequel nous volons aujourd'hui n'est plus en ligne non plus, n'est plus en ligne pour le compte d'Air France. Pour le compte de l'escadron STRL, pardon, a été retiré du service 2020-2021. On monte, on arrive niveau 350. Et il y a toujours du contrôle sur la région parisienne. Et stable niveau 360 bientôt. Avec cette lune rémanente juste derrière nous, à quelques milliers de kilomètres. Et si on prend donc la cellule du F-RADA sur lequel on vole aujourd'hui, c'est un avion qui est un ancien avion de ligne, hein, au passage, comme beaucoup d'avions gouvernementaux.
Et qui a été donc livré en 1987. MSN 421. Pour Royal Jordanian Airlines et ensuite repris par les forces aériennes françaises en 1993. Et c'est ainsi qu'aussi on retrouvait donc l'Airbus A310 ainsi que les camarades de sa flotte, les A340 notamment, à faire des vols de convoyage à travers l'Hexagone d'une part, et puis par extension sur les territoires d'outre-mer, avec enfin sur les territoires et sur les DROM-TOM pour assurer la continuité du territoire notamment. Sur des aspects logistiques. Et bien niveau 360 toujours. En route vers le massif central et plus tard vers Moulins, point d'entrée de notre Star à Roissy, et ça se couvre en allant vers le nord. Bizarre, je sais pas ce qui s'est passé. Et bien en tout cas voilà, magnifiques images une fois de plus
Et puis on peut s'amuser, donc comme je le disais, à jouer au frère Magnan. Magnifiques images, vraiment magnifiques images en l'air. C'est le kiff, c'est vraiment le kiff là, franchement. Bienvenue à bord pour ceux qui nous rejoignent. Il y a toujours l'approche de Roissy qui est ouverte en espérant que ça tienne. Et nous sommes désormais à mi-parcours de la route. C'est pas ça que je voulais.
devrait avoir quelque chose de sympa sur Moulin du coup. Et voilà. Voilà, voilà. Avec les compliments de notre Airbus A310 aujourd'hui, au-dessus de Moulins, quelque part au-dessus du centre de la France. Ça vaut évidemment son énorme pesant de cacahuètes. Et bientôt le top 10 déjà. On n'avait pas mis le chrono, ça c'est moins bien. Et puis surtout, on n'avait pas préparé l'approche, ça c'est moins bien. On va s'y mettre tout de suite. Donc Roissy face à l'ouest. Et donc probablement une moulin. Whisky. Et alors la transition, j'ai un doute. Whisky, hop. Avec une transition Okipa. Et donc 6 whisky. Insert. Un peu dévié. On manque un petit peu d'anticipation alors qu'en plus ce matin je parlais d'être devant l'avion. Et
clear, on va mettre 200. Voilà. Et alors, est-ce qu'on a une contrainte à mettre au niveau 160 déjà pour commencer? Eh bon, je sais pas ce qu'ils ont fait là avec donc Inibulls à Sobo là avec la dernière modif mise à jour majeure de la 310. Je pense que ça a intensément un peu trop même modifié les sons, ce qui est bien dommage. Mais en tout cas, bon, on retrouve quand même qu'il y a eu encore des modifs de fait depuis, parce que il y a une période où on avait vraiment des sons de mauvaise qualité sur sur la 310 en vue passager. Je pense que ça a été en partie corrigé, mais ça manque encore un petit peu de caractère, je trouve. En tout cas, dans le cockpit, l'ambiance est très sympathique, il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, à l'arrière, c'est un petit peu plus compliqué. Ça n'empêche pas notre plaisir de voler avec cette machine sans aucun souci. Et l'information Delta sur l'approche pour l'instant à Roissy. La petite vue GoPro est très clairement à front sur l'est là de nuages, et puis ça s'éclaircit dans notre direction avec effectivement une météo et une très bonne visibilité sur la région parisienne actuellement. Pas fait la start take off climb, mais c'était bon. Slash plat retract, landing air up, not roll, packs on, ultimate air is set. C'était bon. Approach, alors sign is set, briefing confirm, et cam status is check, ultimate air is. Alors not set. De toute façon, ouais, on va y revenir plus tôt. On est un petit peu tôt là. Et le soleil donc qui va nous irrémédiablement se coucher. Ça attaque fort.
Allez, on va contacter l'approche. Il y a un trafic en bas. Gotham 1000, bonsoir avec vous. L'information Delta, on descend vers le niveau 160. Gotham 1000, bonsoir monsieur, vous êtes identifié. On est un peu loin de l'arrivée, mais c'est pas grave. Occupa 6, Whisky. Le Gotham, votre arrivée, c'est Whisky, c'est ça votre porte. Au sol, ça serait plutôt Sierra, en dessous du terminal 1. D'accord, ok, donc je vous donnais la 27, ça vous convient? Pardon, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Je vous donne la piste 27 de droite, ça vous va? Parfait, 27 droite. Donc autorisé, Occupa 6, Whisky, 27 droite en service, et vous poursuivez à descendre vers le niveau 110, unité, unité 0. Eh bien, on autorisé, Occupa 6, Whisky, prévoyez LS, guidage ILS 27 droite, descente niveau 100, côte à 1000. Litoral 104, nous sommes établis sur la piste 25. Litoral 104, vous passez avec Orly Tour 118-700. Bon atterrissage, au revoir. Avec Orly 118-700, Litoral 104. Les changements de piste sont monnaie courante en ce moment, mais c'est pas plus mal, on sera un petit peu plus haut, c'est pas très grave. On sera pas beaucoup plus loin. Allez. En tout cas, on est pour l'instant pile poil sur le plan. On a 9 whisky donc, et donc Occupa 6 whisky. Ok, c'est bon. Par contre, là c'est moins bon. Ce qu'il fait, ah, oh, ces lumières, c'est incroyable. F1051, par l'approche. Bonsoir, monsieur, on est avec vous, on vient de décoller de la 24 heures. France 651, bonsoir, identifié, vous faites un direct leg et vous montez au niveau 190, unité 90. Direct leg, unité 90, vous montez Michel. Ah, ça va être mieux. Oh là là, ces couleurs, oh, impressionnant. Quelque part peu après 3 en route donc vers Urello. Ça se précise pour nous. Et donc normalement pour l'instant un guidage ILS piste 27 droite et surtout contrôlé.
De Gaulle approche, bonsoir, Air France 7408 avec vous, en descente niveau 200. 7408, vous êtes un petit peu loin de mon radar, mais c'est pas grave. Donc vous êtes autorisé sur une transition Okipa 6 Whisky, la 26 gauche en service, et vous descendrez au niveau 110, unité, unité 0. Autorisé transition Okipa 6 Whisky, on descend au niveau 110, Air France 74, 0. Allez, niveau 120, on va sentir les landings light. Soleil, Hôtel Yankee, vous descendez niveau 70. On descend niveau 70 pour Français 47, Hôtel Yankee. Côte à 1000, après Okipa, descendez niveau 70. Après Okipa, on descend niveau 70, Côte à 1000. Air France 651, veillez sur une comme 128, très bon pour le voir. On a deux décimes militaires, 151, merci du contrôle, excellent soir, au revoir. Donc profil speed, profil death, nav toujours. Niveau 70 donc.
et le soleil s'évanouit. Soleil au Taïwanki descendait 3000 pieds qu'une âge 10-17. On descend au niveau 3000 avec une âge 10-17 pour Français 47 au Taïwanki. Kotam 1000 Heavy à gauche au 3 unités 5 descendait 5000 pieds. Pardon, excusez-moi, j'ai besoin de qu'une âge 10-17. On descend 5000 pieds, 10-17 et par la gauche cap 315, Kotam 1000. Allez, on va pouvoir recaler les altimètres. Landing light c'est on, continuous light, continuous relight c'est on aussi. Landing elevation c'est pas mis. France 74-08 poursuit à descendre vers niveau 7-0. Niveau 0-7-0. 74-08, vous êtes en train de dévier, monsieur. Vous faites un direct Papa Golf 522. Ok, ça c'est fait. Alors, par contre, il n'avait pas pris le 5000 pieds. C'est normal. Hop. 74-08, reprenez le cap à droite, s'il vous plaît, nord 360. Nord 360. Côte Tamil, autorisé à approcher les pistes 27 droite. Autorisé à approcher ILS 27 droite, Côte Tamil. Sur le 14-8, est-ce que vous avez un problème, s'il vous plaît? On n'a pas mis la fréquence non plus. 74-08, guidage radar. Prenez un cap à droite au 355. 355. 355 à droite. J'ai mal entendu le retour, j'ai bien compris 355. 355 à droite. Merci monsieur. Donc, on va prendre. Soleil, Hotel Yankee, gauche au 290, autorisé à approcher les pistes 25. 290 et autorisation d'approche par piste 25. 110-35, 275. Oui, 290 par la gauche. J'ai bien compris, gauche 290 pour français L47 dans Hotel Yankee. Un petit peu de retard. Ok, ça c'est bon. Donc, le lock, Lockstar.
Et on arrive dans la région de Meaux. La lumière se fait vraiment de plus en plus rare. Et l'éclairage public commence à se voir. Donc approche avec les sign set, briefing confirm, ECAM status is checked, briefing altimeters set, minimum set, minimum, toujours pas. Hop. C'est la fatigue, c'est pas bien, un peu de sang. Serré. Et là, on va être final. À France 74-08, vous prenez un cap à gauche au 290, autorisé à approcher LF piste 26 gauche. Il était temps de se bouger. Le glide qui descend. Place 15-0. Autobreak slow. Les pistes en vue. You're down. Glide star. Flap 15-15. Ah, quelle vue quand même. C'est voilà, c'est 20 ans de simulation, 20 ans de développement pour arriver à ces images aujourd'hui. Absolument à couper le souffle. Les spoilers n'étaient pas armés. Hop, ça c'est bon. Flaps 20-20. C'est pour 74-08, on match sur le 7000 ou on descend 4000? Ah, j'ai pas entendu, vous descendez à 4000. On descend. Paris approche, Air Force 607, je suis en approche. J'ai bien reçu 74-08. La France, Michette, vous maintenez le cap, s'il vous plaît. On a une alerte trafic, vous maintenez le cap. La France, Michette, merci. Et la ligne j'ai finale, pris toujours le cap 356, justement à cause de cette approche. Est-ce que je continue ou bien je reprends ma route? Je vous rappelle deux secondes, Michette. La France, 73-13, vous me recevez? Bien, on reçoit la France en 13-13. Bon, vous faites un direct Okipa niveau 110, je vous rappelle. Direct Okipa niveau 110, la France en 13-13. La France 57, Charlie Mike. Allez, hop. Alors, Air France 17, est-ce que vous serez preneur d'une 27 droite, s'il vous plaît? Full. Autopilot, hop. Je suis preneur d'une 27 droite, Air France 607. Parfait, guidage radar 27 droite, vous prenez un cap à gauche au 320. Cap au 320, Air France 10-07. C'est correct, vous descendez au niveau 110, unité 0. Descendez au niveau 110, Air France 10-07. Danning, Yannick Gear. 357 Charlie Mike, bonsoir. L'autre, ce qui est de check, c'est la plate. 357 Charlie Mike, full color armed. Vous
descendrez au niveau 110 pour l'instant, parce qu'il y a un trafic dans vos 12 heures. Vous descendez au niveau 110, unité 0, et vous prévoyez Okipa 6 puisqu'il 26 gauche. Indiquez-moi votre vitesse affichée, s'il vous plaît. On est au niveau 110 et on est 280 actuellement. Air France 73-13, votre vitesse indiquée, s'il vous plaît. Vitesse 252, Air France 73-13. Oui, je vous remercie. Air France 57 Mach, réduction à 250, 250. On réduit 250, 57 Mach. 73-13, vous descendez niveau 100, unité 00, pardon. D'ailleurs, que nous recevons en descente niveau 100, unité 00. Air France 73. Air France 75 Charlie Mac, vous prévoyez Okipa 6 Whisky 26 gauche en service. Il y a du monde, hein. Okipa 6 Whisky 26 gauche, c'est rentré Charlie Mac. Cote à 1000 pour info, final ILS 27 droite. Autorisé atterrissage, piste 27 droite, vent 220 degrés, rectificatif 250 degrés d'île. Autorisé atterrissage, piste 27 droite, cote à 1000. Donc on est éclairé, ça c'est bon, la checklist est complète. Air France Nice 7 cap à gauche au 305. Cap à gauche au 305, Air France Nice 7. Pour finir cette journée en beauté, ainsi que cette semaine en beauté, on arrive donc à Roissy après... Alors je crois que c'est 3000 la remise des gaz. Pas remis ça non plus. Après quelques minutes de vol depuis Montpellier, l'FMT. Donc là on est Man Trust, AP off. Et à quelques pieds de la piste désormais. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Air France 5408 en finale, piste 26 gauche. 5408, autorisé atterrissage, piste 26 gauche, les vents 220 degrés, 15 de. Autorisé atterrissage, piste 26 gauche, les vents sont copiés. Allez, le touch, reverse unlock, reverse green, diesel, manual braking. Et on dégage. Air France 73-13, après Okipa, descendez niveau 70. Air Zulu 3. Après Okipa, on descend niveau 70. Air France 73-13. Air France Nice est descendu niveau 70, 7-0. Descendre au niveau 70, 7-0, Air France 6-0-7. Côte d'Ami, autorisé à traverser la piste 27 gauche. Ensuite, vous, c'est Côte d'Ami, donc ce sera une Sierra 14 par. Vous êtes où là? Ok, par Delta 6 et ensuite Mike. Autorisé à croiser les axes de la 27 droite, on est autorisé au roulage pour Sierra 14 via Delta 6 et Mike, merci beaucoup.
Air France 1007, rectifie s'il vous plaît le cap à gauche au 295. Ah, cap à gauche au 295, Air France 1007. Voilà, on vous. Air France 57 Charlie Mike, vous pouvez reprendre votre vitesse initiale. On va rester avec les strobes et les landing lights le temps de croiser les axes. Allez, 57 Charlie Mike. Guidage radar, après Okipa. Personne à gauche et personne à droite. Les images vraiment de toute beauté. Affirme. Un franchement, il m'a poursuivi des centres au niveau 100, 10 unités, unité 0. Rectificatif, unité 00, niveau 100, pardon. Niveau 100, unité 00, on peut passer par les mecs. Air France 1007, descendez 5000 pieds, 10-17 au QNH. Delta 6, Delta et Mike. Air France 1007, vous descendez 5000 pieds, QNH 1017. QNH 1017, Air France 1007. Vous descendez 5000 pieds. Prochaine à gauche. Descendre 5000 pieds. Correct, Air France 7408. Poursuivez le roulage, traversez la 26 droite par Sierra 3. Terminal 2, porte Fox 22 par Tango. Novembre et Echo. On traverse à 26 droite. Et la fluidité là, hein. Pas de problème. Fox 22 light off. Et novembre. Et dernier taxiway à droite sur Echo. Et à droite directement sur Echo pour la Fox 22. Air France 75 Charlie Mac, après Okipa, tournez à droite au 345 et descendez niveau 7-0. Kikas, off. Vous voulez poursuivre au Cap Nord, je vais donner un cap à droite au 340. Mais si vous voulez pour le 360, pas de problème, monsieur. Rapportez 340 et on descend 0 à 167 km. Enfin, 73-13, je ne vous ai pas autorisé à tourner, monsieur. Reprenez un cap à droite au 320, au 325, 325. Les strobes, si tu peux enlever. Bien reçu, nous reprenons le cap 325, enfin, 73-13. Oui, c'est reçu. Donc, sur Charlie Mac, réduction de la vitesse à 242.40 pour espacement. 242 pour Charlie Mac. Formation, vous êtes numéro 2. Air France 1000 est autorisé à approcher les pistes 27 droite. Autorisé à approcher ILS piste 27 droite, Air France 1007. Ah, j'ai du mal à m'y faire assez vu quand même, hein. Allez.
Par contre, j'arrive pas à voir Sierra 14, ça c'est plus embêtant. Air France 73 13 à gauche au 300, autorisé à approcher les 26 gauche, descendez 4000 pieds, 10-17 au QNH. Cap 300, QNH 10-17, autorisé à approcher les 26 gauche, Air France 73 13. Air France 57 Charlie-Mac, vous tournerez à gauche au 3T5 et vous descendez 4000 pieds, 10-17 au QNH. Qu'après 73-13, autorisé à approcher l'est 26 gauche. Autorisé à approcher l'est 26 gauche, à France 73-13. Vous serez numéro 1. Bien reçu. À France 14-08, attention, pour la prochaine fois, vous. Prenez pas la taxi Wayfox, ça c'est pour descendre, c'est pas bien grave. Là vous avez pris mauvais taxi, vous avez pris Golf, on va changer de porte. Vous prendrez la porte Delta 18. Bon, 714-08, Delta 18. Répétez-moi 714-08. C'est pas la bonne entrée, c'est pas grave. On change de porte parce que vous ne pourrez pas passer. Delta 18, la porte, à droite. Air France 57 Charlie-Mac, à gauche, au 300, autorisé à approcher les pistes 26 gauche, numéro 2, réduction à 222-20. Ah, c'est. Ça se passe de commentaires, vraiment, franchement. On veut répéter au début de la. Joli vol en plus. Oui, monsieur, à gauche au 300, autorisé à approcher l'est, piste 26 gauche, réduction à 222-20, numéro 2. Prochaine à gauche. Numéro 2, on redit 222 à gauche, 4. Je vous dis avec les ponts, hein. Et donc, et j'avais oublié de me dire 4 pieds de QNH 10-17. Allez, hop. Et pour 74-08, si on récupère par la gauche à la prochaine sortie, il y a possibilité toujours de rester sur Fox Z2? Oh, tout à fait, monsieur, il n'y a pas de problème. Vous sortirez donc à gauche par Tango Bravo 2 et à droite Echo et vous rentrerez par Tango Fox 2. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour nous. On tourne à gauche Tango Bravo et on continue sur Echo pour Tango Fox. Eh bien voilà, hop, l'avion est calé, il n'y a pas de guidage malheureusement. 38 et vous êtes identifié, bonjour monsieur, minutes, direct Bubli, montée niveau 190. Alors ça c'est bon. Direct Bubli, montée niveau 190, Air France 38. Et donc engine 1 and 2, cut off. Air France 57 Charlie Mac, vous réduisez à 200-200, continuez à approcher les 56 gauche numéro 2. Et request deboarding. Deboarding requested. Alors, beacon light is off. Et bien voilà, on va couper les fuel pumps.
au pied du terminal 1. Info 57 Charlie Mac, réduisé à 189, unité 8-0. Unité 8-0, abruti, info 57 Charlie Mac. Info 73-13, autorisé atterrissage piste 26 gauche, livrant 250 degrés d'île. Bon repli, autorisé atterrir piste 26 gauche, info 73-13. Cotam 1000, l'avion est en cale, moteur arrêté, merci beaucoup pour le contrôle, à très bientôt. Cotam 1000, vous pouvez quitter la fréquence, bienvenue à De Gaulle, au revoir. Au revoir, bonne soirée monsieur. Air France 57 Charlie Mike, vous êtes en train de vous diriger sur la 27, prenez immédiatement un cap à gauche au 250. Ah oui, d'accord. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est les doors. L. Et bien voilà, petite ambiance de début de nuit à Roissy. Avec ce magnifique 310 et ces lumières scintillantes du tracteur de GSX, des services au sol. Et bien, très très joli vol. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce vol donc entre Montpellier et Paris, avec ce vol COTAM 1000 opéré par ce 310 de la République française. A très bientôt pour de nouveaux horizons d'ici vers le reste du monde. A très bientôt, toujours plus nombreux sur la chaîne de Simavia et de Simavia Twitch. Vous retrouvez cette vidéo d'ores et déjà en live replay sur Twitch pendant 7 jours. Et ensuite, eh bien, vous aurez la retransmission du vol sur YouTube. Merci à tous, très bon vol à tous et bonne soirée.